Hello again. I hope you had a warm tantrum and that you enjoyed your lunch. I think it was very Italian, especially the desserts, so we're all happy now to start at the next session, which was supposed to be presided by Monsignor Vincenzo Zani, so I guess I'm the new Monsignor here in the room. Now, of course, the Monsignor Zani couldn't join us today, so I have a pleasure to replace him here at this table with the great guests on this panel about teaching and learning about migration and refugee issues. And we'll have a little practical spectrum here because here at the table we have the people who teach and know a lot about teaching migration. The first speaker today, I have the pleasure of introducing Professor Kathleen Witold de Venden, political scientist and lawyer, professor of Sciences Po Paris, and director of research at CNRS, Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. I think it's an institution that doesn't have to be introduced, Sciences Po. And it's a real pleasure to welcome your presentation. On m'a demandé de parler en français, ce qui est bien sûr le mieux pour moi. Et donc j'ai commencé par introduire, je ne vais pas commenter les cartes parce qu'on a très peu de temps, mais juste pour donner l'idée de tout ce qui a changé depuis 20 ans, même un peu plus, depuis les années 90, en termes de migration. Là, vous avez une carte sur la dimension globale des migrations. Ensuite, vous en avez une autre sur les raisons structurelles de la migration à l'échelle mondiale, notamment les inégalités du développement humain. Vous en avez une autre sur les enjeux démographiques, qui sont une composante essentielle des migrations d'aujourd'hui et de demain. Vous en avez une autre sur les grandes lignes de fracture du monde, pas seulement économique, mais aussi politique, sociale et parfois aussi culturelle. Les inégalités du droit à la mobilité selon votre passeport et non pas selon vos capacités. L'offre de voyage qui a aussi beaucoup changé depuis que tout le monde ou presque peut avoir un passeport. En revanche, il est facile de sortir, mais aujourd'hui il est devenu difficile d'entrer quelque part, exactement l'inverse de ce qu'il y avait au 19e siècle. Il était facile d'entrer quelque part, mais difficile de sortir de chez soi, et on y reviendra. Des réfugiés qui sont devenus une composante structurelle de notre environnement, puisque depuis 20 ans, 25 ans, on n'a pas cessé d'avoir des réfugiés à nos portes, et parfois aussi dans les pays, entre autres, européens. Autre composante structurelle, la mobilité comme forme de la modernité, avec le tourisme international qui parfois se prolonge en migration sud-nord-sud, et aujourd'hui le fait que la migration qui va vers le sud de la planète est aussi importante, si on ajoute les sud-sud et nord-sud, que la mobilité vers le nord, sud-nord et nord-nord. Ça aussi c'est un élément très important des données nouvelles. Ensuite, l'ouverture des frontières, qui était un enseignement très important à l'Est, qui a montré que loin de s'installer tous, les gens se sont installés dans une sorte de circulation migratoire comme mode de vie, installation dans la mobilité et le vieillissement de la population européenne, mais aussi russe, japonaise, pays d'Europe centrale et orientale, qui amènent de nouvelles migrations, de nouveaux besoins de main-d'œuvre. Et la réponse européenne, entre autres, mais aussi d'autres réponses dans d'autres régions du monde, qui sont la fermeture militarisée des frontières, des frontières qui étaient assez poreuses, qui se sont fortement fermées depuis la crise de 2015, des lieux de passage qui sont aussi des lieux d'exploitation totalement inhumaine des personnes qui traversent la Libye, par exemple, ou aussi le Mexique, comme on l'a vu ce matin, 30 000 morts en Méditerranée depuis la fin du XXe siècle, et quelques autres éléments sur lesquels beaucoup de désenchevêtrement de nationalité depuis la chute du mur de Berlin, et également des nouvelles formes d'installation, des nouveaux migrants, si j'ose dire, qui sont à la fois liés les seigneurs au soleil, par exemple, des paysages migratoires très différents selon les pays européens, les Roms,
qui sont devenus très mobiles à l'intérieur de l'Europe quand ils appartiennent à un pays de l'Union européenne, et quelques autres éléments nouveaux, d'autres lignes géopolitiques comme la Russie et la Chine, une sorte de face-à-face ressources contre population, et également un phénomène de régionalisation des migrations, contrairement à une idée répandue. Il y a un migrant sur deux en Afrique qui migre en Afrique, par exemple, et également des grands lieux de production de réfugiés dans des régions où aujourd'hui il n'y a pratiquement aucun pays de la région qui soit signataire du droit d'asile de la Convention de Genève, sauf la Turquie, mais qui a gardé une réserve géographique à l'égard des Européens seulement. Donc beaucoup de paradoxes dans cette région. La Turquie, qui est un très grand pays d'émigration vers l'Europe, le premier, mais aussi un très grand pays d'immigration aujourd'hui, avec 4 millions de personnes sur son territoire, et à la porte des conflits. Le Golfe, qui est devenu une très grande région d'immigration de travail, la troisième au monde aujourd'hui, et d'autres frontières qui séparent les personnes entre... celle de la Cisjordanie, par exemple, la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Le Bangladesh étant le pays au monde le plus menacé par les déplacés environnementaux. Et donc de fortes migrations qui ont un effet de transfert de fonds massif, comme les 50 millions de Chinois qui sont des migrants dans le monde entier, mais surtout dans la région de la Chine, et quelques autres pays qui dépendent totalement des migrations, comme les Philippins. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger. C'est souvent une femme philippine, il y en a beaucoup ici en Italie. Et donc des régions auxquelles on pense moins, qui sont traversées par d'intenses mobilités entre les pays riches et les pays pauvres de la région. Et pour terminer, pour les États-Unis, le fameux mur entre les États-Unis et le Mexique, mais surtout le développement de la migration centra-américaine, comme on l'a dit ce matin, et une migration très fortement régionale en Amérique latine. Aujourd'hui, c'est surtout les Andins qui migrent dans les pays d'Amérique latine. Donc tous ces phénomènes-là sont assez récents, puisqu'ils se sont produits depuis ces 25 dernières années, dans un contexte où la migration va se poursuivre à cause de l'urbanisation galopante aussi de la planète et donc la hausse du niveau d'éducation. Les gens sont plus formés, plus informés, donc la migration est une option de vie chez les gens qui n'ont aucun espoir de voir la situation s'améliorer chez eux, et également la dépendance des pays de départ à l'égard des transferts de fonds, quelque chose de très important. Si on arrêtait à la migration en termes de développement humain, ce serait une catastrophe absolue. 420 milliards de dollars envoyés par les migrants l'an dernier dans leur pays d'origine, 3 fois l'aide publique au développement, et la question des migrations environnementales, qui sont un sujet très important, mais surtout une migration interne pour l'essentiel, et surtout une migration sud-sud. Donc tous ces phénomènes, j'insiste sur tout ça très rapidement, parce que c'est totalement ignoré d'une grande partie de la population. Tout à l'heure, dans l'échange qu'on avait au moment du déjeuner, je disais combien la plupart des gens ignorent tout cela. Ils ont une image du migrant qui est celle des années 60. Or, elle n'est pas du tout adaptée à tous ces grands changements qui se sont produits. Et il y a une science des migrations qui est pluridisciplinaire, qui s'est développée depuis 40 ans. Donc, beaucoup de gens qui sont allés à l'école et même à l'université n'ont pas cette connaissance. Et donc, on vit sur des stéréotypes. La plupart des grandes décisions politiques prises à l'échelon national et européen, entre autres, sont sur des stéréotypes qui ont 40 ans, 50 ans d'âge. Donc, on a beaucoup à faire en tant qu'enseignant sur les migrations, à essayer de pousser à l'extrême les frontières de notre discipline pour montrer que, précisément, tout ce que croient les gens est totalement erroné. Pour ce qui est de la science politique, qui est ma discipline pour l'essentiel, on est à la frontière de la sociologie, de l'économie, de la géographie, du droit. La science politique ne s'est intéressée que tardivement à la question des migrations, au tournant des années 70-80, car auparavant, le travailleur étranger, comme on disait, n'était pas un citoyen. Donc ça intéressait peu les politologues, et les thèmes les plus développés à l'époque, c'était des thèmes qui étaient liés au monde du travail.
notamment la question de l'égalité des droits au travail d'abord, puis la question des droits politiques locaux, sur l'initiative notamment suédoise, mais nordique en général, de donner des droits de vote locaux aux étrangers. À l'époque, on ne distinguait pas entre les Européens et les non-Européens. La question du droit d'association, qui a beaucoup progressé en Europe. La question de l'acquisition de la nationalité sur le droit du sol. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays européens des années 80 étaient encore fondés sur le droit du sang, sauf dans quelques pays comme le Royaume-Uni, l'Irlande et la France, qui est un équilibre entre les deux. Et on a eu beaucoup d'introductions d'éléments du droit du sol dans beaucoup de pays européens depuis les années 1990 pour incorporer davantage les secondes et troisièmes générations. Et également, si on quitte le thème des droits et de la militance pour les droits, qui était un des thèmes de la science politique des années 80, on arrive dans les années 90 avec de nouveaux thèmes qui sont la question des deuxièmes générations, des secondes générations, surtout dans les pays comme la France, qui sont des vieux pays d'immigration, et le sujet affleure en Italie aussi à cette époque, dans les années 90, parce que c'est un phénomène plus récent, et notamment avec de nouveaux thèmes qui vont questionner la citoyenneté, de nouvelles valeurs introduites dans la citoyenneté classique, puis dans la citoyenneté européenne, suite au traité de Maastricht, sont issues de ces marches, de la marche des beurs en France, comme on dit, des secondes générations, et de formes diverses de militantisme de jeunes issus de l'immigration à la question de la lutte contre les discriminations, par exemple. Très importante, on a une directive européenne de 99 qui ajoute cette valeur nouvelle à la citoyenneté, la thématique de la diversité. Aujourd'hui, il est difficile de décliner aussi bien des institutions publiques que privées citoyennes si on n'y introduit pas la diversité. Donc la question du dialogue des cultures, etc. Il y a toute une série de nouvelles valeurs de la citoyenneté moderne, la mobilité comme composante essentielle de la citoyenneté avec la citoyenneté européenne. Tout ça est assez récent et est venu bousculer des catégories de la science politique qui paraissaient immuables. Il ne faut pas oublier que la citoyenneté, c'était un sujet marginal, aussi bien en droit public, en droit constitutionnel, qu'en sciences politiques, dans les années 70, parce que c'était démodé. Hein. Maintenant, on est revenu très adepte de la réflexion sur la citoyenneté, et on s'est intéressé davantage aux exclus de la citoyenneté et aux formes nouvelles de citoyenneté. Également, la dimension comparative a beaucoup progressé en la matière. On s'est intéressé non seulement aux diverses expériences européennes, mais aussi aux comparaisons avec les États-Unis, le Canada, l'Australie et quelques autres pays qui ont été d'ailleurs pour certains présentés ce matin, mais également la dissociation entre citoyenneté et nationalité, ce qui paraissait impensable à beaucoup de politologues classiques, parce que depuis la fin du 19e siècle, on était dans une association quasiment indissoluble entre citoyenneté et nationalité. Avec l'immigration et le droit de vote local, et surtout avec la citoyenneté européenne, on a dissocié la citoyenneté de la nationalité. On a essayé de retrouver un contenu de la citoyenneté qui est plus fidèle aux valeurs de la Révolution française, comme la participation, que limiter la citoyenneté au vote, comme ça a été le cas pendant très longtemps, pendant des années de sociologie électorale. Mais surtout, l'européanisation des politiques migratoires a complètement bouleversé les cadres d'analyse, notamment la soumission de l'État à d'autres règles qui étaient au-dessus de l'État-nation, entre autres européens. La mondialisation aussi des phénomènes des années 90-2000, toute une série de formes de transgression de l'État-nation, comme le transnationalisme, les diasporas, l'individu qui devient acteur des relations internationales, pas seulement des migrations internationales, quand il traverse illégalement les frontières et pose la question du droit à la mobilité comme citoyen du monde, et également les nouvelles façons d'analyser le vivre ensemble autour des notions de diversité et de multiculturalisme, et une réflexion assez profonde sur les frontières et leur bien fondé. Tout cela, tous ces thèmes-là, qui sont sur la table aujourd'hui pour nos cours,
était complètement ignorée dans les années 75-80 et aujourd'hui font l'objet d'un enseignement de plus en plus pluridisciplinaire et qui tend, pas toujours, mais de plus en plus à considérer la migration comme un savoir en tant que tel et qui est construit sur toutes les notions que je vous ai indiquées en sciences politiques et en relations internationales. Beaucoup de ces recherches s'appuient sur du travail de terrain. En sciences politiques, on fait beaucoup de travail de terrain, même si certains adorent la théorie, mais le terrain est souvent constitutif de ces changements dans la réflexion. D'autre part, il y a des concepts classiques de la science politique ont complètement éclaté, ont été bouleversés par ces nouvelles données géopolitiques que je vous ai montrées dans les cas. L'État-nation, qui est le grand perdant, si j'ose dire, dans sa version classique de toutes ces mobilités, puisque l'État-nation se pense souvent par rapport à ses frontières, à sa population, à sa langue, et à comme acteur essentiel des relations internationales. Et aujourd'hui, il est, disons, circonvenu, il est transgressé de diverses manières, non seulement les frontières, mais aussi les formes diverses de transnationalisme, les diasporas, les identités multiples, la double nationalité, la perte du contrôle de la gestion du territoire, l'externalisation des frontières, les politiques souvent diasporiques menées par les pays d'origine. Tout ça, ça rend l'État-nation très affaibli avec comme réaction la montée des souverainismes dans beaucoup de pays, pas seulement européens, mais aux États-Unis et ailleurs, on a une montée de ces populismes souverainistes en réaction, entre autres, à la mondialisation et à la mobilité. Le citoyen lui-même, et tout à l'heure, je vous ai montré qu'il était fortement bousculé, chahuté par la migration, à la fois à travers les droits politiques à distance, dont bénéficient parfois les migrants du fait de leur pays de départ, mais aussi les droits politiques qu'ils peuvent exercer dans les pays d'accueil. La citoyenneté qui est dissociée, comme je vous l'ai dit, de la citoyenneté, les identités multiples et la double nationalité, le contenu évolutif de la citoyenneté et une redécouverte de la thématique de la mobilité, redécouverte de Kant, par exemple, redécouverte de Sigmund Bauman et de tous ceux qui se sont intéressés à la citoyenneté au-delà du cadre national. L'islam, notamment les islams, dans des pays d'immigration, sont des thématiques nouvelles pour la science politique, croisées avec la question de la citoyenneté. L'analyse des bricolages identitaires est au cœur des travaux de terrain, mais aussi des enseignements, et ainsi toute la question du dialogue des cultures. La diplomatie des migrations internationales, ça aussi c'est très important. C'est une thématique tout à fait nouvelle que j'enseigne, mais que beaucoup d'autres enseignent aussi, qui sont liées à l'intense activité des accords bi- et multilatéraux, que certains analysent à la loupe, aux politiques diasporiques qui sont menées par les pays de départ, qui essayent d'exister sur la scène internationale grâce à leur migration, à l'émergence d'une gouvernance globale des migrations qui essaye de mettre autour de la table toute une série d'acteurs, ce qu'on appelle le multilatéralisme, qui essaye de dire aux États, et peut-être qu'il y aura des instances supérieures qui imposeront leurs règles d'éthique au fait que vous avez le pouvoir d'édicter à l'échelle mondiale les règles du droit à la mobilité, puisque vous êtes les plus puissants. Aujourd'hui, c'est le Far West en la matière. Donc, une sorte de Bretton Woods, les migrations se dessinent lentement, mais ça fait partie aussi de ces nouvelles thématiques, sans compter du retour de thématiques anciennes qui reviennent sur la scène de notre table de travail, comme la question de l'apatridie, comme la question de la définition du réfugié par rapport au déplacé environnemental ou par rapport aux migrants, également toute la question des mobilisations collectives sur des causes nouvelles avec des instruments nouveaux. Donc tout cela, ce sont des modifications importantes dans notre enseignement de la question migratoire comme question de sciences politiques et de relations internationales, qui suscite beaucoup de travaux d'étudiants, beaucoup d'intérêt, les mémoires, les thèses, les expertises, les métiers liés à la migration se sont beaucoup développés. Il y a même des chaires
de migration, pas tellement en France, où on aime beaucoup la monodisciplinarité, mais dans quelques pays européens, dans un contexte paradoxal et de déficit de savoir de l'ensemble de la population. Donc il y a une fracture qu'il faut combler entre ce qu'on enseigne et puis ce que les gens savent dans la rue. Les universités du temps libre se multiplient pour souvent les jeunes retraités, comme on dit. Les associations et les ONG multiplient aussi leurs interventions dans toute une série de cercles de débats. Mais le grand thème, si j'ose dire, c'est surtout d'essayer de concilier le savant et le politique dans ce domaine-là. Puisqu'il y a tout un savoir qui s'est accumulé, mais qui transparaît très peu dans la prise de décision publique. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il n'y a pas de relation très construite entre, d'un côté, le produit de la recherche, l'opinion publique en général, et puis le décideur. Et ce lien qui existe dans d'autres domaines, progressivement, les populations se sont, disons, converties à la thématique de la crise de l'énergie, à la crise environnementale, ne se sont pas du tout, pour l'instant, converties à la prise en compte de la migration comme phénomène banal. Et il y a encore énormément de résistance. Le discours étant largement construit sur la scène politique par les partis les plus populistes et les décisions politiques étant également construites sur les sondages et les expressions de ces populistes. Donc il y a encore beaucoup à faire pour l'enseignant que je suis en sciences politiques et relations internationales des migrations parce que convaincre, c'est un des enjeux essentiels aussi de nos enseignements et surtout pour les décideurs. Multiple languages. Today he chose English, and it is my pleasure to introduce his speech on his experiences of teaching migration and human mobility. Good afternoon, everyone. I teach two major courses here at the Pontifical Gregorian University, which have to do with human mobility. One course bearing the title The Ethics of Immigration Policy Making brings together data on the situation of migrants and refugees, especially those traveling to or settled in developed countries, a reflection on the policy making mechanisms regarding sovereignty and borders in such countries, which includes elements of political philosophy and also of international law, and the theological ethics framework, which blends rights, principles, and virtues, inspired by Catholic social thought, intended to guide voting, activism, and policy making. Another course which I teach is a course on using scripture in ethics, which takes the issue of the stranger in the Bible as an example. It seeks to form students in using the scripture honestly, scientifically, and responsibly when reflecting on thorny issues in moral theology, and brings together an exegetical toolbox, a reflection on hermeneutics, and the analysis of a number of biblical texts which speak about strangers and sojourners, and how this can help us responsibly say something today to the people taking the decisions, to the people participating in
in so many movements around these issues. In recent years, I have also taught a module on environmentally displaced persons within a course of on Laudato Si, and also a course on the ethics of peace and conflict, which includes a reflection on the plight of persons who are displaced by various kinds of violence and war. I have to admit that my experience of teaching at university level is limited. This is my fifth year of teaching here. That I teach these courses in a particular environment that, well, most of my students are priests or religious or members of Catholic movements in some way or another. Most of them are living in Italy but are not Italians. I teach these courses mainly at master's level in small classes to students who choose these courses from a list of possible courses. So in general, I teach to a select and a receptive audience. I have also organized some events on topics related to human mobility. These attract a wider variety of participants and often prove to be more challenging and sometimes even more stimulating. They're also teaching experiences for me. How do we use our university platform to speak to the cities where we are situated? In what follows, what I would like to do is to use what I've learned from this admittedly limited experience so as to temper and to ground the rationale underpinning what I teach and how I teach it. So, two things which we can look at. One is what to teach, and the other is how to teach. To some extent, we too, as educators, have to stay within the bounds of our institutions, of the reality where we are situated. Obviously, there is also a hubris which we can do to some extent, going beyond the borders. But when we think of what to teach, obviously, to some extent, what we teach depends on the programs and the curricula which our deans and the heads of departments fashion. According to their view of what topics are relevant to the formation of students in a certain area of knowledge and what would make a coherent whole. And often those deans have not dealt with the complexity and the diversity which has come into the field of migration studies in these last 20, 25 years. Yet we often have enough freedom to propose new optional courses and seminars or to suggest a rethink of the programs. And when asked to teach certain classical courses, we still have certain freedom to select examples and case studies. Those examples and case studies that we feel we can introduce, that we feel can introduce our students to certain topics. So when I arrived at this university, I was first asked to teach a course on peace at the Faculty of Social Sciences, and a course on Christian ethics and politics in the Department of Moral Theology. I started a bit as a hybrid between social sciences and moral theology, though my field of I was trained in theological ethics. I focused my peace course on contemporary conflicts, nationalism, genocide, transitional justice, and terrorism, touching in many ways on the situation of migrants and refugees. The politics and Christian ethics course became my course on the ethics of immigration policymaking. Later on, I proposed a course on the use of the Bible in Christian ethics, which I felt was lacking in our program. And when I was asked to do this course and to build it, I decided to use the biblical text concerning the stranger as a case study. And in fact, half of the course is dedicated to reading exegetical analysis of biblical texts using methods from different schools, while seeking to understand critically how exegetes use scripture to make ethical claims, whether such claims make any sense to a moral theologian, and whether they can be used to guide policymaking in the 21st century. A second issue is that of working within the bounds of our clients' tastes.
obviously there is a certain reality around us, even on a pontifical university where most of the students are allowed to go around in dark clothes and in clerical colors. This is also a marketplace, just like many other universities, and you need to sell your courses to your students. What we teach also depends on our students' interests and our ability to market what we have to say, what we'd like to do. I have had the experience in the past of having prepared what seemed to me a stimulating new course, only to see it cancelled on the first week of October, since there were too few students who chose it. I was still new, I was disadvantaged at the time, since I was a newcomer, my name on the program didn't mean anything, and both academic units I taught in had very few students. The numbers have picked up a little, but still we're struggling to keep courses going in some places. The experience forced me to try to understand what students at this university find attractive and how to describe and adapt what I wanted to teach to the tastes of these students who are my clients. A third aspect is working within the bounds of our discipline and going also beyond those bounds. Certainly what we teach also depends on our formation and on our expertise. Yet we can open up new areas of interest and research within our discipline. And we can also include other disciplines in what we teach by adopting an interdisciplinary approach. Of course, there are limits to how much we can say on behalf of experts from other disciplines, and how much people from other disciplines we can invite to talk during our classes. Some time ago, a well-published sociology of migration was invited to give a lecture to our students about the phenomenon of human mobility today. The audience expected her to present a sociological overview, at least I did, and to stick to her discipline. But many were surprised that her 90-minute presentation did contain sociological data, did summarize results from sociological studies, but the main thrust of her talk was a reflection on political philosophy and on ethics, more specifically on sovereignty, on the principle of exclusion implicit in the concept of the modern nation state, on human rights and international law, on our duties towards strangers from the viewpoint of universalist ethics, on the importance of the rule of law and of consistent rule following. To some extent, I was thrilled. I was stimulated to see that a social scientist could be aware of the lack of widespread ethical and philosophical reflection on these topics in the context of our current debates on human mobility, to the point of being almost sucked into my fields of expertise. Surely, I did not fully agree with the ethical and philosophical worldview underpinning her arguments and her conclusions. And furthermore, her approach made me doubt whether she was completely aware that there were other approaches to the ethics and political philosophy out there which could have helped her maybe reframe some of her conclusions. Yet it is flattering, I think. It is flattering for people like me to see empirical scientists passionate about what I'm passionate about. Some people still think, you know, still wonder whether ethics and whether theological ethics is a completely useless branch of the academia, where we say so many things, lofty ideas, wishful thinking, make so many hair-splitting distinctions, but we don't contribute to the economy or to concrete decision-making. More importantly, however, this experience made me think about the fact that many lecturers end up teaching ethics implicitly or explicitly, depending on the way they study and present social and natural phenomena. This is a great opportunity for our universities. Yet, if done without a certain critical approach and a certain humility, it is also a big challenge, since it is hard to know if in our lecture hall certain values, certain rights, certain duties are which are problematic from the point of view of Catholic social teaching,
or from the point of view of a certain universalist ethics, are being presented as though they were hard, factual, and social, scientific, or biological truths. Let's come to the other point, which is how to teach about human mobility. So after touching on the what, let's see how. Besides being a migration scholar looking at human mobility from an ethics viewpoint, I also teach fundamental moral theology, and I focus on epistemology and methodology in ethics. This means that I'm interested in the sources of moral reasoning and in the methods which we use to do research, to construct arguments, to propose behaviors and policies, and in how to present all of this to others. Whatever our discipline and whatever we teach on a thorny subject like human mobility, I believe that we should develop an ethos, which entails both a method and a series of best practices so as to respect what we value as citizens, as intellectuals, as members of faith communities. In what follows, I will list and comment some of the values which guide my ethos when teaching about asylum seeking and migration. One important fact, part of my ethos, if you like, is that of talking from experience. However, much as I appreciate Paul Ricoeur and the importance of imagination and will formation, I'm not very keen on talking about myself or telling stories in class. I'm also careful about inviting migrants and refugees to my class to give witnesses. I do that sometimes, but I believe young people today should be pushed to wrestle with concepts, since they are somewhat addicted to narratives. To be sure, narratives are useful. They're useful to ingratiate an audience at the beginning. They're useful because they provide very rich food for thought. Yet I feel I can communicate my experience to my students in many ways without necessarily having to say that I have done university studies in 6 different countries, in 4 languages, that I have lived outside my country for 18 years, that I've worked with migrant children in Spain or Hispanic prisoners in the United States or with refugees in Uganda. Given that I have immersed, I think, myself quite deeply into the cultures of the different countries where I have lived, or at least that's what I like to think, I believe that the passion with which I make my arguments in favor of the rights and duties of the many people I care about on all sides of the migration phenomenon betrays my lived experience. I believe that my cosmopolitan perspective on things flows out in whatever I say and do, in the authors I choose, in the bibliographies I provide, in the cases I examine, and in the way I interact with students coming from different countries. A second thing I'd like to highlight is listening. Listening and asking students to listen is a very important attitude. Certainly, we should listen to migrants and refugees. We should also listen to host communities. We should listen with empathy, but also we should remain critical of stereotypical, scripted, black-on-white narratives that both xenophobic politicians and philoxenic NGOs often expect the witnesses on both sides of the debate to abide by, so as not to complicate things and muddy the message. Are the migrants really the only people who have loud parties, who leave rubbish around, who have alcohol problems, who react aggressively when spoken to in a certain way on certain subjects? Or are these rather general problems found in most housing projects around the world? Some people want us to think that the migrants living in certain housing projects are particularly uncivil, and that this is the problem on which a lot of xenophobia is built in many countries, on these little neighborhood issues. But they may seem petty for us, but they are important for the people who live there.
Was this neighborhood really so different before the migrants arrived, or are we forgetting how it was in the 1970s and 1980s, or whatever? Is it really true that the integration process, on the other hand, you know, in a country like Italy or Malta, is a total failure? Is it true that many migrants are not sure whether they can honestly apply for asylum or not? It's good for us and for our students to ask these hard questions. At least to listen with these questions in mind, maybe not directly to ask them to the people they're interviewing or they're listening to. Beyond listening and opening one's heart to the experience of the other, I believe that we should also empower people to speak. It is hard for traumatized migrants and refugees to trust anyone with something close to what really happened to them on the way. I remember it took a Rwandan, one who was a very close friend of mine, on which we shared very deeply on very personal issues, but it took him many years even to mention the genocide in a conversation with me, let alone tell me what he did to survive. When I was in Kampala this spring, it was hard for a Ugandan sister who was there with me, let alone a Westerner like me, to understand why one of our students, a young boy who had escaped the fighting in Eastern RDC, suddenly decided to go back to the conflict zone to consult a witch doctor, feeling that he was safer there than in Kampala, where somebody was targeting him with the evil eye. Okay, the fact that some Africans may have a different concept of safety than we or other Africans do doesn't make Congolese refugees any less worthy of applying for international protection. It certainly dents certain narratives. It makes them more complicated. As academics and as educators, we are invited to dig deeper to seek to understand the more complex strata of reality that are often edited out of many narratives. On the other hand, I can also train myself to read with the same empathy the research done in London in the 1960s about the Maltese being seen as criminals. A number of stories in which the news editors chose to publish in that time about certain behaviors and certain crime rings in Soho put the Maltese in the negative limelight. Many of the Londoners interviewed in these years in the 1960s who had Maltese friends spoke very highly of these friends, and they deemed them a strange and utter exception, while insisting that the Maltese in general, namely all those who they did not know, were shady people or criminals. Surely many people in Malta and in Rome today have similar attitudes towards certain groups of migrants. They may have friends who for them are great people, and then they may speak about the whole category in a very negative way. Listening to these people, listening to the people who welcome migrants in the neighborhood, helping them to listen to themselves may hopefully allow them to see and even admit at some point that their narratives may not be entirely objective and consistent. Yet we cannot approach people living in poorer neighborhoods where migrants and refugees tend to settle, people who struggle every day with the question of how to make these neighborhoods safer, cleaner, better served by public services, more livable for their children. We cannot speak to these people expecting them to abide by their duty to host strangers on our behalf, and to talk about their experience of the other in ways which are always consistent and politically correct. Let's start by listening to them. Listening to my students is also part of this process, especially those who hail from certain cultures where students do not dare raise their hand in class, let alone question an author or challenge the lecturer. Okay, I try to find ways to do this, not easy. One way I try to do this is by encouraging students to share their ideas on an online forum after the lecture, and gently nudging the students who are most shy and reserved to join the discussion, eventually post longer and deeper contributions, one step at a time. A third thing I'd like to mention is interdisciplinarity.
which is extremely important in this field of studies. Listening to other disciplines forms part of the listening process as well. Here, the process is more circular, maybe. Ethics both listens to while also challenging the human sciences and also the other religious sciences and theological sciences. More specifically, in what I teach and I publish, I give ample space and consideration to sociology, economics, criminology, history, social psychology, and biblical exegesis. Qua sciences, these disciplines tend to seek a view from nowhere in particular, at least allow the researcher and her readers to distantiate themselves somehow from the reality which they are studying, even though it's a reality which they inhabit as a life world. We cannot completely extricate ourselves from what we're studying in these sciences. Yet only those who have missed or ignored the grand epistemological debates of the 20th century or those who have little practical knowledge of the world of research will insist today that the use of one sociological theory rather than another, the framing of certain questions in a survey rather than others, or the use of certain assumptions and simplifications in an econometric model rather than others, can be value neutral. This brings us to the point of intellectual honesty. To some extent, we cannot but be selective in the research we use, coming from other disciplines. We cannot do everything. We have a point of view. We'd like to teach. So we are selective in what orders we find useful and fitting with what we teach. I do not give my students texts to read coming from researchers working for think tanks financed by nativist and anti-immigrant lobbies, even though they have their own supposedly scientific journals, or studies patently designed to sustain hardline ideological positions I deem dangerous or morally unacceptable. Yet I do make an effort to read and also to offer to my more critical and mature students serious research coming from authors and perspectives that I do not agree with. Of course, in the process, I seek to lay bare their assumptions and their methodology to see whether the conclusions of such research is indeed warranted. If the conclusions are indeed warranted alternatives to the positions I cherish and promote as a Catholic ethicist and as an educator. If they are, I have an obligation stemming from intellectual honesty somewhat to present them to my students. I also have a responsibility to present valid critiques and objections made against the positions and theses that I and that Catholic social thought support. Catholic social thought brings us to another thorny issue, that of appealing intelligently to religious traditions, especially in the context of certain of our universities. As a moral theologian teaching at Pontifical University, I can and I'm expected to promote a certain tradition and to think from within this tradition. In many ways, this is freeing and enriching. I do not have to pretend to be who I'm not. I do not have to offer partial and secular arguments which I may not find entirely convincing to sustain my claims. And I think in the global north, our students, not only in the global south, but also in the global north, our students and the general public are starting to be more willing to listen to arguments rooted in a religious tradition today rather than in the past. Yet being rooted in a tradition is truly freeing and enriching when we stick to intellectual honesty in what we say and teach, when we deeply respect other traditions and non-believers, when we hold fast to the idea that ethical norms and virtuous practices are binding insofar as they are rational and reasonable. Okay, reason may be rooted within traditions to some extent, but also reason is also universal to some other extent. And so, if reasonable and rational and rational, able to convince the consciences of people of goodwill, they are not binding simply by virtue of their being promulgated by an authority which speaks on behalf of God, or by the virtue of their mere antiquity. Finally,
One point I'd like to add is not being afraid to touch the deeper issues. The phenomenon of human mobility is a litmus test for the maturity of a democratic society. Its ability to serenely and responsibly discuss complex issues regarding its identity and its project for the future. It forces us to think about whether our welfare states are sustainable, about what negative effects of globalization are we ready to put up with, about what kind of people we are ready to die for or support by giving part of our income for their well-being, about what kind of citizens we want the daughters and sons of strangers, but also therefore our children, to become. The notion of sovereignty naturally comes to the fore. To what extent can we uphold our country's sovereignty when defending our right to keep people out? But also, to what extent can we question the sovereignty of other countries when we claim that we should rather help migrants and refugees stay home by effectively forcing their governments to deal with the issues of human rights violations and bad governance? Bringing up such deeper questions in a paper or a lecture hall is challenging, but it helps our students and our readers to better understand the causes and hopefully start looking for real solutions to the big problems of our world. Nonetheless, we are often tempted to stick to the safer and simpler world of strategic politics and focused research, where we take for granted the political reality we know and simply deal with symptoms and epiphenomena. To conclude, aiming to touch the heart and challenge the mind. I have mentioned narratives and imagination before. We need to touch the hearts of our students, but also as academic institutions, we also need to challenge minds. Pope Francis in many ways encouraged us to come down from our ivory towers, come out from behind our desks. And also our students constantly bombarded with images, emoticons, and telegraphic messages have little tolerance for complex reasoning and sophisticated concepts. We cannot serve these students without reaching out to them, adapting to their world, and speaking their languages. But we cannot, on the other hand, become yet another stall in the supermarket of emotions and superficial ideas. Whatever we teach and however we teach it, the dialectic between the heart and the mind needs to be kept alive. Thank you. But also teaching migration is basically communicating migration. And I think it's crucial that if we properly communicate it, as I said, to our students, then they'll carry it to the world. So this is really an important issue. And now, I think with a real precision, we'll listen to the presentation of Dr. Yanis Panousis, who's a legal expert, and we'll talk about legal expert perspective of teaching migration. Mr. Panousis is Dean of the Faculty of Law since July 2014, permanent lecturer at the Catholic University of Lille since 2006. His points of interest are human rights and fundamental freedoms, international humanitarian law, international protection of human rights. Dr. Yanis Panousis. Thank you. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier mon ami François, de m'avoir invité à cette conférence. C'est un sujet et c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur, donc je vais prendre juste une ou deux minutes pour vous expliquer pourquoi. Alors, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la marmite. Pourquoi ? Un, parce que j'ai décidé de me spécialiser en droit de l'homme et en particulier dans les questions liées aux migrations et en particulier les questions liées aux réfugiés. Et du coup, j'ai décidé de mettre en place à notre belle université à Lille un master en droit de l'homme, sécurité et développement dans lequel la question des migrations, de la sécurité humaine est particulièrement présente. La deuxième,
C'est parce que pendant 4 ans et demi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de représenter le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés auprès des juridictions françaises qui traitent de l'asile. Et donc, j'ai pu avoir la vision pratique, concrète, de ce qu'est véritablement la situation du réfugié et la situation humanitaire complexe dans laquelle peut se trouver une personne et que nous devons juger froidement à un moment donné. Donc, comment concilier le froid du droit avec le chaud de ce que, justement, les personnes ont à nous raconter ? La troisième raison, c'est mes origines. Donc, mon nom l'indique, je suis d'origine grecque. Et donc, en tant que tel, si on prend une vision très large du sujet, je suis moi-même un migrant, puisqu'à un moment donné, j'ai migré vers la France, mais aussi parce que mon pays est particulièrement confronté aujourd'hui, mon pays d'origine, à ces questions liées aux migrants et aux réfugiés. Et donc, effectivement, je pense que le monde universitaire a l'obligation non seulement d'intervenir autour d'une logique de lobbying, mais aussi de former des personnes qui seront là, justement, pour représenter la voix de la raison, peut-être par la suite. Alors, ce n'est pas parce que Obélix est tombé dans la marmite que le reste du village gaulois n'avait pas à s'intéresser, justement, à toutes ces questions liées aux réfugiés et aux migrants. On l'a dit, depuis hier soir, 65,5 millions de déplacés, 22 millions de réfugiés, et la moitié d'entre eux sont des enfants. On ne peut pas fermer les yeux face à ce phénomène, et c'est notre rôle, justement, d'enseignant, d'intégrer cela dans le cadre, justement, de nos formations. Or, on peut agir, on l'a vu, en tant que citoyen responsable, encore plus en tant qu'expert universitaire, et encore plus en tant que membre d'une université catholique. Quel est le regard du juriste dans la formation, dans l'enseignement, puisque c'est la partie dans laquelle j'ai été appelé à intervenir ? Alors, permettez-moi de faire un peu comme mon collègue, M. Mikhalev, à savoir parler un tout petit peu du fond et un tout petit peu de la forme. Je pense que les deux sont indissociables si on veut véritablement traiter de ce phénomène de manière efficace. Le juriste, dans un premier temps, sur le fond, et je ne vais pas vous faire de cours de droit parce que ce n'est pas le but ici, le juriste doit prendre le problème et ce phénomène le traiter dans le cadre de la formation en intégrant deux éléments à minima. Et c'est sur ces deux éléments à minima que j'ai envie justement d'insister aujourd'hui. Le premier, c'est que le juriste doit être précis. Le droit a cette vocation d'être rigoureux, d'être objectif. Et de ce fait, puisqu'il a vocation à être rigoureux et objectif, dans un premier temps, en tant que juriste, nous devons enseigner à nos étudiants et nous devons nous-mêmes promouvoir cette idée de précision et de rigueur. Il en va de la bonne protection des personnes, justement, dont il est question. La présentation de Mme Wintol de Venden était très claire, vous l'avez vu, les raisons justement des migrations sont tellement complexes aujourd'hui et multiples qu'on ne peut pas avoir la même approche juridique de chacun des phénomènes. Donc faisons très attention, et ça c'est la première chose sur laquelle justement j'appelle à être vigilant, à bien employer le terme. Un réfugié, ça n'est pas un migrant. Un migrant, c'est peut-être pas exactement la même chose qu'un déplacé forcé. Les demandeurs d'asile, ça ne sont pas encore des réfugiés. Les immigrés clandestins, ce sont des migrants, ce sont des immigrés, mais ça ne sont pas des réfugiés. Pourquoi cette précision est fondamentale ? Elle est fondamentale parce que le niveau de protection accordé à chacune des personnes n'a pas vocation à être le même. Vous n'allez pas offrir la même protection à un enseignant-chercheur grec qui va aller en France pour exercer son métier et à une personne qui fuit des persécutions. C'est une évidence. Cette évidence-là, et je l'ai toujours dit à mes étudiants, le droit c'est de la logique, cette évidence-là, il faut l'enseigner, à minima, il faut la rappeler. Quand on traite des réfugiés, et c'est surtout sur cela que j'ai envie d'insister, et la pratique que j'ai eue au niveau du HCR était importante, on a affaire au niveau de protection maximale. Pourquoi on a affaire au niveau de protection maximale ? Parce que non seulement on va s'assurer de la protection des droits humains, de tous les droits de cette personne, mais en plus, il faudra le traiter comme un national. Et en plus, il faudra effectivement s'assurer qu'il ne sera pas renvoyé chez lui. Il faudra lui offrir des papiers. Il y a une obligation positive qui est particulièrement importante et qu'il faut mettre sur un piédestal, si je peux me permettre. La Convention de Genève est particulièrement intéressante là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de cœur vis-à-vis des autres ? Absolument pas. Le juriste est rigoureux, mais c'est quelqu'un qui a du cœur.
à minima, n'importe quel individu, quel qu'il soit, y compris un immigré clandestin, et ça c'est le niveau de protection minimale, il a des droits. Il a effectivement le droit que les États, les autorités étatiques et n'importe quelle personne respectent ses droits fondamentaux. C'est à cela que servent les différentes conventions internationales ou régionales de protection des droits de l'homme. Et toute personne qui se trouve sous la juridiction d'un État, même les immigrés clandestins, y ont droit. C'est là une de nos responsabilités que de le rappeler et effectivement de l'enseigner et de le transmettre. Je ne vais pas vous faire toutes les catégories, mais je voulais vous donner comme ça un petit exemple de la palette justement de protection que nous sommes dans l'obligation justement d'enseigner, parce qu'il en va effectivement à la fois du positionnement qui sera le nôtre, mais aussi du niveau d'obligation des États. Les États n'ont pas les mêmes obligations. Quand on a un traité de réfugiés, en tout cas tous les signataires des conventions de Genève, ont l'obligation de protéger. Ils ont l'obligation d'offrir effectivement de prendre un certain nombre d'actions positives pour garantir cette personne. Je ferme cette parenthèse, je l'ai promis, il n'y aura pas de cours de droit. Le deuxième point, qui me paraît extrêmement important dans les facultés de droit et en tant que juriste, directeur de master, c'est de contextualiser. Pourquoi contextualiser ? J'ai toujours estimé, et je l'ai toujours dit et appliqué dans ma pratique, en tout cas d'enseignant, que pour apprendre, avant tout, il faut comprendre. Alors, en tant qu'enseignant, il ne faut pas s'intéresser simplement à transmettre un message en espérant que celui-ci reste dans la tête de nos étudiants. Il faut faire en sorte qu'ils comprennent. La moitié du chemin sera fait s'ils ont compris. Comprendre pourquoi, déjà, les migrations, les déplacements, les réfugiés. Pour comprendre pourquoi, ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser à de très nombreux phénomènes. Les conflits internationaux, les conflits nationaux, à la famine, aux catastrophes naturelles, à l'esclavage qui est encore pratiqué aujourd'hui. L'esclavage à l'ancienne, celui que nous sommes censés avoir supprimé au 19e ou tout début du 20e siècle. L'apartheid, les discriminations, les violences, les persécutions, voilà autant de phénomènes que nous devons d'étudier afin de contextualiser. C'est notre responsabilité d'enseignant, justement, que d'intégrer cela dans nos maquettes. Monsieur Mikalev a dit que cela dépend des doyens. Alors, je suis un doyen particulièrement ouvert, du coup, puisque j'exige de la part de mes enseignants qu'ils intègrent ces éléments-là. Et quand je n'étais pas doyen, je faisais le forcing et j'allais chercher la place qu'il fallait, justement, pour intégrer cela dans nos formations. Quoi qu'il en soit, cette contextualisation, elle est fondamentale pour une raison. C'est que lorsqu'on s'intéresse à ces questions de réfugiés, d'immigrés, etc., vous allez vite vous apercevoir que quasiment pas une personne, sauf pour des raisons touristiques, ne quitte son pays par plaisir. À partir du moment où on ne quitte pas son pays par plaisir, mais par obligation, c'est qu'on a besoin, justement, de se déplacer. Et ce besoin, le droit est obligé de le prendre en considération. Alors, vous allez me dire, le droit prétend-il effectivement contextualiser à ce point ? Absolument pas. Le droit ne prétend pas contextualiser à ce point, et mes deux collègues l'ont dit tout à l'heure, c'est là qu'intervient un autre élément fondamental, y compris dans les facultés de droit, c'est qu'effectivement, il faut rentrer dans une logique d'approche pluridisciplinaire de ce phénomène. On ne peut pas, effectivement, traiter cette question sans s'ouvrir à la science politique, à l'éthique, aux études géopolitiques, aux études géographiques, historiques, etc., etc. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moyen, justement, en passant par les autres disciplines, pour nous juristes, de comprendre la culture de l'autre, la religion de l'autre, l'histoire de l'autre, tous ces phénomènes-là qui, parfois, on dit, relativisent les choses. Moi, je dirais qu'ils apportent une forme de pluralisme qui enrichit, justement, la façon que nous avons pour traiter un certain nombre de phénomènes. Cette interdisciplinarité ou pluridisciplinarité, elle doit être pratiquée aussi dans le droit lui-même. Le droit et le droit international, ce n'est pas juste une discipline comme ça. Il y a de très nombreuses branches du droit qui sont concernées par ces questions d'immigration. Et c'est là que nous avons l'obligation de construire des maquettes, des curricula qui soient particulièrement logiques et cohérents pour que l'on comprenne la totalité du phénomène. Il faut faire du droit international public,
Madame Wintle-Devenden parlait tout à l'heure de la question de la nationalité, de la différence avec la citoyenneté. Ça passe par le droit international public. Il faut faire du droit européen. Pourquoi ? Parce que les règlements Dublin, dont on a entendu parler pendant des années, et encore aujourd'hui, qui produisent quelques dégâts, bah c'est aussi des questions générales de compréhension. Ensuite, il faut parler de droit des conflits armés, il faut parler de droit international pénal pour comprendre ce que c'est qu'un génocide, un crime contre l'humanité, des choses qui obligent des personnes à bouger. Il faut parler de droit international et régional des droits de l'homme, il faut parler de discrimination, et je vous passe toutes les disciplines. Et naturellement, il faut se focaliser in fine sur les droits des réfugiés, la personne à protéger en particulier, mais aussi sur le droit des étrangers. Voilà un certain nombre d'éléments sur le fond qui me paraissent non négociables quand on raisonne du côté du juriste et de la faculté de droit. Il y en a d'autres, mais je vais essayer de faire court et efficace. Sur la forme maintenant, parce que là aussi c'est extrêmement important. Vous l'avez compris, sur le fond, le juriste rigoureux doit objectiver. Néanmoins, la forme est importante aussi. Quelle expérience proposer à nos étudiants ? Et là, c'est un élément que je n'ai pas cité qui intervient. Il faut aussi subjectiver un tout petit peu. Comment ? En humanisant l'enseignement. À un moment donné, il faut leur faire comprendre à nos étudiants et à nous-mêmes que nous n'avons pas à traiter d'un objet, mais on a à traiter de personnes. Et il faut effectivement humaniser. Pour moi, en ce qui me concerne, la question du droit des réfugiés ou du droit des étrangers, ça ne sont pas des matières que l'on peut enseigner justement dans les années d'immaturité. Ce sont des matières qui doivent arriver au niveau master, master 1, master 2. Et puisqu'elles arrivent au niveau master 1, master 2, il ne faut surtout pas rentrer dans une logique d'enseignement ex cathedra vertical. Surtout pas. Bien au contraire, je pense qu'il est fondamental de rentrer dans une logique horizontale en essayant de traiter l'opinion de chacun, en essayant de la travailler ensemble, et une logique horizontale qui intègre dans le milieu universitaire le point de vue aussi du praticien. Très peu d'enseignants-chercheurs peuvent prétendre avoir une expérience pratique, sauf que ces sujets-là nécessitent aussi cette expérience pratique, parce qu'on est confronté, comme je le disais, à des êtres humains. Je vais vous citer une toute petite anecdote, c'est pas une anecdote d'ailleurs, c'est une expérience à laquelle j'étais confronté. J'étais considéré comme un très bon étudiant, un bon enseignant, un bon doctorant, tout ce que vous voulez, j'ai eu toutes les bourses qu'il fallait, et donc ça allait dans le bon sens. Et donc je croyais avoir la science infuse. Et un jour, j'ai eu cette magnifique chance, justement, d'être nommé au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et on m'a dit, bah, demain, tu vas aller juger. Tu vas t'asseoir dans une chambre à côté du président de la juridiction et d'un représentant de l'État afin de te prononcer justement sur le destin de cette personne. Faut-il ou pas la protéger ? Et effectivement, en commençant à écouter le discours de ces personnes-là, j'ai commencé à me dire, si j'applique tel quel les principes que j'ai appris, nous sommes mal barrés, aussi bien moi, par rapport à ma conscience, par rapport à mon éthique, que lui. Parce que si on rentre dans une logique d'interprétation littérale, on arrive rarement au résultat escompté, qui est généralement la protection de la personne. Alors du coup, en devenant moi-même praticien, je me suis aperçu de la magie du pouvoir d'interprétation dont dispose le juge. Et effectivement, il faut absolument intégrer dans nos formations des juges, des praticiens, des personnes des organisations internationales, des personnes qui ont un traité de ce phénomène de l'asile, justement pour ne pas être coupé du monde. J'ai mal vécu pendant des années cette idée qu'il y avait une forme de frontière entre le milieu universitaire et le milieu professionnel. Ben, ce n'était pas totalement faux. Il faut communiquer, il faut effectivement traverser ces frontières, il faut que les uns pratiquent et que les autres viennent transmettre leur message, c'est fondamental. Donc il faut mélanger théorie et pratique. Et c'est comme ça que sur la forme est né dans notre université ce que l'on a appelé le droit en action, law in action. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, l'idée était simple, c'est enseigner le droit en essayant justement de mettre la personne qui est censé apprendre dans des situations complexes et en l'obligeant justement à se positionner avec un regard différent sur un même problème. Exemple tout bête, c'est ce qu'on appelle le problem-based learning. Vous avez à traiter de la question des réfugiés et notre étudiant, on va lui imposer dans le cadre des séminaires qu'il va suivre de se mettre dans 4 ou 5 positions différentes. Et si j'étais le HCR, bah, si tu étais le HCR, institution organisée,
des Nations Unies spécialisées, tu es obligé d'avoir une vision presque activiste, je dirais, mais pas celle d'une ONG. On reste objectif. Et si j'étais le juge ? Ben, si tu étais le juge, puisque tu souhaites protéger la personne, tu as été convaincu par son récit, il va falloir que tu fasses usage de ton pouvoir d'interprétation en tant que juge et pas simplement appliquer la norme telle qu'elle. Et si j'étais l'administration ? Et si tu étais l'administration, tu as aussi un certain nombre de politiques d'immigration à respecter, puisqu'on te le demande. Tu es dans l'administration et tu dois parfois prendre des positions qui sont difficiles à assumer, mais que tu devras expliquer par la position qui est la tienne quand tu examines le problème. Et si j'étais avocat, si tu étais avocat, même si cette personne-là ne t'a pas totalement convaincu, il faudra que tu la défendes quand même pour essayer de trouver la situation la plus adaptée à son statut. Et si j'étais réfugié moi-même, dans ce cas-là, il faudra effectivement que tu te battes pour essayer de trouver la meilleure façon pour te défendre, pour faire entendre tes droits. Vous l'avez compris, c'est fondamental, cette interaction entre théorie et pratique. Cela est bien, est-ce suffisant sur la forme ? À mon sens, non, ce n'est pas suffisant. Encore 2-3 éléments qui permettent d'être, je l'espère, bons enseignants quand on a à traiter de ces questions d'immigration, de ces questions liées aux réfugiés. Comprendre ces phénomènes d'immigration implique aussi intégrer dans nos formations une dimension interculturelle, multilingue et multiculturelle, si vous voulez. La communication interculturelle, lorsqu'on a à traiter de ce type de questions, elle est fondamentale. Nous, Université catholique, je pense qu'on a effectivement ici une carte à jouer en se distinguant par rapport à ce type de questions. Pourquoi cette interculturalité est importante ? J'ai entendu parler depuis hier soir à peu près 10 fois d'empathie. Comment voulez-vous être empathique si vous ne comprenez pas ce que vit l'autre ? Si vous ne comprenez pas son histoire, sa religion, les particularités desquelles il vient. Donc voilà un certain nombre de choses qui me paraissent fondamentales pour que le premier contact avec la discipline et avec les demandeurs d'asile ou avec les réfugiés soit effectivement un succès. Ensuite, un autre élément toujours au niveau de la forme, et je vais aller vite, je le promets, des quick points, c'est de promouvoir les cours in situ, d'aller sur place et de promouvoir des expériences cliniques du droit et de toutes les disciplines d'ailleurs. Pourquoi ? Quand vous parlez de réfugiés, je le disais, c'est bien beau. Mais quand vous parlez de réfugiés à Calais, c'est autre chose. Ou à Lampedusa, pour tous ceux qui sont d'ici. C'est autre chose. On voit véritablement l'ampleur du phénomène. Ou à Lesbos, j'en entendais parler tout à l'heure. C'est autre chose que de voir ce qui se passe et d'essayer sur place de voir justement comment on apporte la solution à la première urgence et quelle est la posture du juriste lorsqu'on a apporté justement cette solution de première urgence. J'invite aussi mes étudiants, je leur impose même, d'aller devant les tribunaux, d'aller devant la Cour nationale du droit d'asile en France pour voir comment ça se passe, pour entendre une fois le récit. Je vous invite à y aller vous aussi une fois, pour entendre le récit d'une excision. C'est particulièrement formateur pour nous, en tant qu'êtres humains, pour savoir comment on va se positionner derrière. Et donc, du coup, on promeut, si possible, l'expérience clinique du droit, à savoir, par la suite, l'étudiant, non seulement il va vivre le cours in situ, mais il va le vivre avec des avocats, avec des associations, avec des magistrats. Et on revient sur ce fameux droit en action que j'évoquais tout à l'heure. Quatrième point, naturellement, mais ça c'est le cas, j'imagine, en tout cas je l'espère, dans toutes les universités, promouvoir l'expérience pratique, ça passe aussi par le stage. Il faut particulièrement promouvoir ces expériences de stage, leur faire vivre une expérience de fin d'année pour qu'ils puissent effectivement prétendre à un master, mais aussi avoir l'envie d'intégrer le monde professionnel en connaissance de cause. Je suis particulièrement fier, justement, que le master que je dirige, la dernière année, en tout cas 2015-2016, 2 étudiants sur 5, justement, ont été faire leur stage de 4 à 6 mois dans des ONG ou des organisations internationales spécialisées en matière de réfugiés ou en matière de traitement du droit des étrangers. Il faut promouvoir aussi l'esprit critique et il faut promouvoir aussi une forme d'autonomie intellectuelle de l'étudiant. Cela passe par notre responsabilité en tant qu'enseignant, en tant que formateur, en tant qu'université, à promouvoir les expériences associatives. Il faut que nos étudiants deviennent acteurs, qu'on les pousse à devenir acteurs de leur propre formation
Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure façon de promouvoir le savoir, c'est de leur dire, voilà, maintenant vous êtes devenus presque des grands, vous pouvez expérimenter et nous serons là pour vous aider. Alors cela passe par les organisations d'événements scientifiques. Certains de mes collègues ici ont pu être invités par nos étudiants sur des beaux événements que nous avons organisés avec les étudiants, mais aussi mener des actions de terrain, conseils, orientations, guides pour l'enfance. Vous avez entendu parler de toutes ces cliniques du droit qui naissent et qui sont là pour offrir un premier accompagnement aux réfugiés. Enfin, mais ça n'est pas un secret, promouvoir le doctorat. Mais je dirais, et je ne sais pas si c'est le cas dans tous les autres pays que vous représentez, promouvoir aussi les doctorats professionnalisants. Être docteur, ce n'est pas simplement être derrière son ordinateur, faire des recherches et effectivement pondre 500 ou 600 pages. C'est aussi mettre au service de la société civile le fruit de nos recherches. Et ça, ce sont des choses qu'on essaye de promouvoir dans le cadre de chaires spécialisées, en particulier une autre chaire sur les droits de l'enfant, dans laquelle on développe, par exemple, dernière thèse, une thèse sur les enfants migrants isolés. On a vu à quel point c'est un phénomène extrêmement important. Alors, pour conclure, je reposerai la même question et j'essaierai d'apporter une réponse. Alors, quelles sont nos responsabilités en tant qu'université à travers cet enseignement ? Je ne vais pas faire œuvre créatrice extraordinaire. On l'a entendu, aider à créer un monde plus humain. Voilà une de nos responsabilités. Ça passe aussi par l'enseignement. Développer l'esprit critique. Il ne faut pas former des cerveaux qui ne résonne que dans un sens. Il faut être capable, effectivement, de voir et d'envisager toutes les situations pour les comprendre. Agir en empathie, en self-contrôle, en respect, en raison, ce sont des choses que l'on a vues, que l'on a entendues. Et pour finir vraiment, je me permettrai de citer un grand ami, qui est le recteur Gerald Pillay de Liverpool Hope University. S'il y a une ambition que nous devons avoir, s'il y a une responsabilité que nous devons avoir, c'est effectivement, face à un phénomène comme celui-ci, de prendre l'information et de la transformer en connaissance. Et ensuite, si on le peut, de prendre cette connaissance et la transformer en sagesse, en wisdom. Voilà quelle est notre responsabilité d'universitaire. Merci beaucoup. It is the moral obligation to be strict, rigorous, and accurate. Protection of people is at stake. Dr. Yannis Panoussis, thank you so much for your speech. And I think that this accuracy is needed not only on campuses, but also in the public debate. And we as universities are those who are to shape the public debate and communicate the issue further. And unfortunately, the media is not quite right in getting even the legal terms to know who is the migrant and who is the refugee, and we know it too well reading the media or listening to it. Thank you so much for all the presentations in the panel, and we have a proper time to take your questions now because Monsieur Didzielewski couldn't join us because of important reasons in France, and so we have 20 minutes to our coffee break, and I think it's a great opportunity to ask questions to our panelists. Father Janusz Baryński from Kardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. I am teaching students in the university, in the seminary, and in other places. And of course, sometimes it is difficult to speak about this human mobility, but I enjoy the discussion. But recently, more and more teachers ask from the elementary school how to teach children, because the children are representing the point of view of parents, and in Poland and Eastern Europe, attitude to immigrants are very negative. And the teachers are asking
can we show this the children that the parents are wrong? How to deal with this problem? Thank you. Professor, thank you for this question. I was in Poland in the beginning of this week, and we spoke about the migration in Poland at the University of Warsaw. But I think that what is occurring in Eastern European societies is the fact that they have not the teaching I spoke about for 40 years. For 40 years we have been speaking at the university of discrimination, on living together, on managing Islam with citizenship, about taking into account the structural phenomenon of migration. And all these discussions before 1990 were not debated at all in this country, and so there is a deficit of knowledge in the public opinion. Perhaps we can explain some of the attitudes we made not only in Poland but also in the Czech Republic, in Hungary, in Slovakia, and it will take some time to introduce all this information, discussion, teaching about these new challenges in these countries, where during years they gained some freedom thanks to stressing on their own identity. They got freedom from the empires, Hungarian, Austrian Empire, Russia, Turkey, by stressing on their own identity and insisting on their the unity of their identity. They got some freedom from Russia, USSR, with also the same tool, and they have the impression that Europe is an obstacle to stress on their identity, and so there has been some lack of trust towards European immigration and asylum policy recently with the so-called refugee crisis. Thank you. Should we teach? For me, the answer is yes, immediately. Why? Because kids, young kids, children, have also reason. So we live today in the 21st century in the era of information. From the moment they have access to information, they should also have access to knowledge. Information, knowledge, wisdom. They are too young for wisdom, probably. But there is an obligation for us to provide for knowledge after information. How to do it? I'm not a magician, but I would say that it is the best way wouldn't be to provide with this kind of knowledge by asking to professors of universities to intervene in schools, for example. The best way, and I would like to explain that through a practical experience that we had at our university, would be to give to young people, to our students, for example, this cette idée de préparer, to prepare some courses applied to young kids. Why? Because it is much easier for them to understand, to vulgarize what they are going to say, and also to accept it for young kids. Then they can go back home and their parents will explain that this kind of knowledge is not shared, but at least we try. To add a little thing. Obviously, you bring up the issue of also the stages of moral knowledge. So it depends on what age the kids are. There is obviously an age when young adults or children of a certain age come to question authority. And obviously that's a place also where we can help them question authority in a certain way. But I think one basic thing which we can do with all I think with our societies and our kids at school is also to help understand that there are two cultures sometimes in conflict in many
of these situations. An Anglican theologian, Susanna Schneider, which I like, speaks of a culture, an ecology of faith and an ecology of fear. Faith can be understood in a much wider sense, no? In this trust in humanity, in this trust in the goodness of the life around us, which hopefully also brings us to a trust which goes beyond what is merely innerworldly, you'd say. But to help people and our students at school to move from this ecology of fear, where we're suspicious about anything which is different from what we're used to an ecology of trust, of faith, is important, I think, one, as because it also helps students in general in a school environment to discover new things, to go and encounter something which they're not used to, people and cultures which they're not familiar with, and it opens them to a bigger reality. If they cannot venture into these spaces where they're not used to, then they cannot really learn. On the other hand, obviously the whole question of which we can certainly do is to help our students, help kids even be critical of what is present in social media, because kids have smartphones from a very young age. Okay, you know, there were stories with Microsoft bots, so these which little robots which were learning about facts from what's posted on the social media, and immediately some of these bots had to be taken offline because they started to be fed by certain trolls online, very racist positions. So it's very easy that our students could be targeted by all kinds of racist ideologies when they are online on social media. That the discussion on certain topics goes towards positions which are very, very problematic from the point of view of ethics. So to help kids to be critical, to verify the facts, I think that is already a first step which we can do, and which eventually will help them also question what their parents are telling them about the phenomenon of migration. Thank you very much. And from the perspective of a Pole and a parent, I'm thinking that our country is actually divided on an issue that is non-existent in our country, because we don't have any migrants and refugees. We didn't take any. And I think that if other kids that are migrants and refugees would appear in a classroom, the other kids would start to play with them, because the kids tend to do that when they meet a stranger on the street. They play with them without any boundaries. Even if they speak different languages. So I think this is really something that we can hope for, that those kids would appear in our classrooms, and then it would be probably a step forward, because the kids would be the ones who would tell their parents that their friends are actually very cool. So this is just a perspective of a parent here. And you should take more questions now, please. Yeah, okay. I think I'm on the seat. Thank you. I want to appreciate the presentation from Dr. Mikalet and Dr. Panosis. I'll make a small remark and then I'll put a question which you can give us some answer. The remark is that we heard from the presentation that the mostly Catholic universities, when I take it back to my former country, Cameroon, that has become an elitist university, where the poor do not have access and cannot go to this tertiary education.
I take the example of my case because I went to a Catholic secondary school where we had at the time the elitists went to the government secondary schools. And those who did not pass the common entrance went to the Catholic schools. And the result was teaching these students who did not pass the general entrance into the elite or the elite college to come out at the end of 5 years as well educated with good grades. The question is now, which I want to put it, how, looking at the cost, how do you give chances to these poor, bring it back, bring it down to the migrants? Secondly, the question is, I tend to find out now the debate over on learning by doing and the second aspect of imparting knowledge to the student before going to confirm their knowledge, which means that the teacher, most of the teaching today is not teaching. The load work is given to the student and the student presents. I would like to have your opinion about should we just give the children work to learn and know what to have to do, or do we impart the knowledge on them before they go in to apply the applied, the applied practical knowledge? Thank you. I'm going to answer in French, if I may. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris totalement la deuxième partie de la question, mais j'essaierai de répondre à ce que je dis. Sur la première partie, alors est-ce que ce sont des établissements élitistes? Tout dépend de comment on voit les choses. Je suis un peu mal à l'aise d'effectivement arriver en représentant l'Université catholique de Lille et en vous disant qu'il y a effectivement des frais d'inscription à ces universités. Pourquoi il y a des frais d'inscription? C'est pas parce qu'on a souhaité faire une quelconque sélection qui soit sociale, mais parce que le système français est tel que nous sommes obligés de vivre, de faire vivre l'université par justement les frais d'inscription même et non pas par les dotations de l'État. Je ferme cette parenthèse. Comment on fait malgré tout pour lutter contre ce phénomène dans notre université? Et je ne cite que l'Université catholique de Lille, du coup. Je vais parler en son nom. Et je pense qu'il y a de nombreuses expériences quand même qui ressemblent, puisqu'on n'est pas les seuls à pratiquer cela. Le premier élément, c'est que notre université a fait un choix qui est particulièrement judicieux, je trouve, et qui a apporté ses fruits, c'est que les frais d'inscription dépendent du niveau financier du foyer dans lequel on se trouve. Et donc, il y a des frais d'inscription qui sont quasiment proches du zéro, surtout lorsqu'ils sont combinés à des bourses, et des frais d'inscription qui sont beaucoup plus élevés pour les enfants de bonnes familles qui ont la possibilité de contribuer du coup à l'éducation de leurs camarades. Donc ça, c'est un choix de notre université. La deuxième chose que nous faisons, naturellement, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve de manière très répandue aussi dans quelques universités américaines, mais aussi d'autres universités européennes, c'est des systèmes de bourse ou d'accompagnement qu'on appelle solidarité. Donc et cette bourse de solidarité que nous pratiquons, elle a une ligne qui est spécifiquement consacrée à la solidarité internationale. Donc chaque année, nous choisissons un certain nombre de dossiers, et pas seulement que sur des critères élitistes, mais aussi sur des critères de représentativité régionale, un certain nombre de candidats qui vont venir chez nous. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces bourses de solidarité, et ça j'incite vivement toutes les universités à se mettre dans cette logique-là, on a décidé aussi de les consacrer aux études doctorales ou aux post-doc. Pourquoi consacrer ces bourses de solidarité aux études doctorales et aux post-doc? Pour une raison simple, c'est parce que c'est le meilleur moyen de former des personnes qui vont par la suite rentrer potentiellement dans leur pays pour être eux-mêmes des formateurs. Et donc on décide d'investir plus longtemps, mais avec des personnes qui sont capables de rentrer dans leur pays d'origine et effectivement faire cela. Je ne vais pas citer des exemples, on a fait ça avec 5 ou 6 universités africaines différentes qui étaient en grande difficulté pour recruter et pour former, et donc on s'est mis en réseau pour pouvoir justement avancer dans ce sens-là. Ça fait partie de nos responsabilités, effectivement, que de proposer des choses dans la limite de nos moyens. J'ai entendu ce matin, effectivement, que l'argent n'est pas un problème. Malheureusement,
toute université a besoin de tourner, et donc à minima elle doit présenter des comptes équilibrés. Donc on essaye de présenter des comptes équilibrés de manière intelligente et en essayant de garder ce type justement d'orientation. Sur la partie de comment transformer l'information en wisdom, alors en knowledge, c'est ça, alors que en réalité on ne fait que donner quelques éléments à nos étudiants et ensuite on est dans une forme d'interactivité où eux, ils se mettent dans la logique de séminaire. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, ou si c'est pratiqué tel que vous l'avez présenté, j'estime du coup qu'on a affaire à de mauvais enseignants. Bon, alors, je ne suis pas d'accord avec vous, pourquoi ? Parce que nous aussi on pratique par moments cette idée de mettre l'étudiant dans la logique où il va présenter lui-même un papier. Mais lorsqu'il présente lui-même un papier, tout l'intérêt, et c'est forger l'esprit critique, c'est pour l'enseignant de le challenger, d'essayer de travailler avec lui l'esprit critique. Il arrive en ayant l'impression d'avoir compris, en ayant l'impression de nous offrir de la connaissance, et si à ce moment-là, on mettait l'étudiant, en tout cas en droit c'est assez facile, on mettait l'étudiant en difficulté. Donc je donne un sujet sur les Rohingyas, on vient, on m'explique à quel point effectivement la situation des Rohingyas est très compliquée, et qu'il faut faire quelque chose. Très bien. Mais si je me mettais à ce moment-là dans la peau du contradicteur, pour voir comment l'étudiant va réagir, alors que c'est lui qui est censé faire ce mémoire, et qu'on est au niveau master, ce qu'on travaille avec l'étudiant, c'est son esprit critique. Donc si on est bon enseignant, et qu'on utilise cette méthode-là, un minimum, on devrait aller jusqu'au bout du raisonnement, qui serait d'obliger l'étudiant à argumenter au-delà de ce qu'il a préparé avant d'arriver justement en classe. Bon, ce sont des petites choses comme ça, mais l'enseignement horizontal, pour moi, ce n'est pas que donner de l'information en amont et ensuite demander à l'étudiant d'apporter sa part de compréhension. Il passe par de très nombreux exemples, et je disais tout à l'heure, cet esprit d'enseignement clinique, il est là aussi pour diversifier l'enseignement. Je pense que de plus en plus au niveau master, et surtout sur ces sujets-là, l'enseignement clinique doit être privilégié. J'espère avoir bien compris du coup votre deuxième question, avoir répondu. I don't have much to add. Certainly, the Gregorian is a particular situation, but we do have various forms of scholarship here. I've seen various models in which Catholic universities in the United States and elsewhere try to bring in students who are poorer. It's interesting, you know, like I studied my doctorate in Boston College, which was a college in many ways founded by migrants, by Irish migrants, and was conceived for Irish migrants in the port of Boston. There was another Jesuit university, which was more for richer people, in Worcester, Holy Cross, at the time. And there was, you know, between these two Jesuit institutions, a certain conflict. But eventually, Boston College grew to be the bigger of the institutions by far, because the migrants, at some point made money, and they really put in huge amounts of money into Boston College to help it grow and to finance scholarships for others. So that's, you know, there are interesting ways of doing this. The second point, obviously, this is the whole debates on how to educate students at university level, which I don't want to go into, but certainly I have studied in different countries, and I have a very complex, you know, a sort of, I hope, balanced way of looking at things. So on one hand, I believe that I've been in seminars, especially in English-speaking countries, where the professor is mostly silent and students are saying all sorts of things coming from the top of their head, and you know, some of the students are screaming in their mind, why doesn't the professor say something? This is just, you know, we're wasting our time here listening to students who don't know what they're talking about. But also I've been in classes more in continental Europe where, you know, professors talk down to students and everybody's almost sleeping in class because it's just top down, it's force feeding. So how to find the balance between giving a voice to students and helping them think, but also challenging them, having
moments of, you know, different ways of interaction with students, getting them to read texts, to present them, presenting things yourself, challenging students, getting them to participate in forums online. And, it's a work in progress, I think, but we can learn from each other. Here in a very sort of in a theological context, there's a point where there's a concern in trying to teach people the proper doctrine. So we tend to have a lot of centralized top-down teaching in our first cycle, but I think we try to break out of that a little bit in our second cycle and in our doctoral program and really give some of our students the voice to express themselves. But we need to control it because, you know, it can go in any direction. So if you cannot emcee your class, at least. Then there's also the question of you know, there's money in the whole thing. So it's easier for me. To just, put out a bibliography and get people to read texts and just discuss them in class, and convert all my classes into seminar-style teaching, without really having to prepare a class, and I can use my time to publish papers and to give conferences. Well, some people, that's different from actually preparing classes, correcting papers, and spending hours and hours working to form these students rather than pursuing my career. So there is also a balance. Obviously, you need to publish, you know, publish or perish, but we need to teach, and we need to spend time training students, correcting their papers, helping them improve, helping them, you know, I ask people to write, when they read, I ask them to send me a reading sheet of every text, and I send it back every week with copious notes in the margins. That takes time, you know. So that's also the dynamics of, you know, how we what we insist on our teachers and on our lecturers to do, and how much time do they dedicate to their students. Thank you very much. We all hear you. One more. We have time for actually one more question, and there's three more. So either it's three real quick questions and real quick answers, or it's only one. So please be brief in asking, and please be brief in answering. And only one speaker can answer, if I may ask. Okay, please, Ivo first. Okay, so then gentleman over there first, and then well, thank you. Okay. Just having spent my life trying to educate teachers for Catholic schools, there are three things I would offer as thoughts to the question about how do you get children to learn. First of all, children learn through the smiling eyes of the teacher. It is not always a matter of the curriculum, it's a matter of relationships. Secondly, I think it's important that we focus on the three important things worth talking about in education. These are hope, love, and justice. Everything else is of secondary importance. And perhaps the final thought is that we spend a lot of time talking about teaching. We should spend time talking about learning. But more importantly, we should also talk about thinking. We spend too little time talking about how do we get students to be autonomous thinkers. Thank you. Thank you very much for this thought. Please. I'm Father Tobias Kessler, Calabrinian from Germany. Maybe without asking an answer, it's just an issue I would like to be discussed here. It's about the question, we are focused on knowledge in this discussion we have, and it seems that xenophobia is a lack of knowledge, but often it's a question also of social position. So it's not just because people don't know, it's because they have good reasons, as middle-class persons have good reasons to engage, to welcome strangers. Low-class people often have good reasons to
not to welcome them, no, in order to be heard in the society. So I have, I would like to bring this in also, not just to focus on knowledge, but also on social position. I think it's the same reason, more or less, why the Eastern European states don't welcome refugees now. This has to do something with the relationship between Europe and between the European countries. So I think it's similar. Thank you. Thank you very much. And just to say that your comment has to be linked with what we said a few minutes ago. One of the questions that we have to deal with concerning our universities is how to have access and to offer this knowledge also to people who are not in a social position which is positive or at least compatible with higher education, for example. Yeah. So we have to find answers in order to touch, to share the person that is so concerned. And Anthony Sederer had a question. I also want to come back to Father's point and affirm Bot's 3 points as being very, very important. 40 years ago in the United States, preparation of teachers, one of the people that was often focused on... Microphone closer, please. Often focused on was a man named Lawrence Kohlberg. And Kohlberg talked about stages of moral development, just the way Piaget had spoken about stages of cognitive development. So in the how a teacher would present an issue of overcoming bigotry or bullying to a second grade or an 8-year-old versus a 10-year-old has to be different because they're going to be at different stages. Certainly it seems pitting a position as being against what your parents are saying is just a good way to stop the conversation. So I think Bart's right, the teacher is important, those values are important, and inviting students to think about practical situations of might it feel like to be a stranger? How would you make someone who's, when you're feeling like left out, how would you like to see people bring you in? I think the strategies that teachers have to develop are practical and concrete and age appropriate to the students. Thank you. I don't think there are any more remarks or questions. So before the coffee break, I have a couple of announcements. We are starting the workshop session right after the coffee break. So again, we ask you to be at your workshops, at the chosen workshops, on time at 4:45. They're starting. And we're divided into 3 workshops, actually, because Mr. DTLSky, as we know, is not here. So we have 3 workshops. And I would like all of you divided into the workshops to delegate a person who take notes and be a secretary of your workshop to later present the feedback from your workshops here at this room. I'm sure the workshops will be 4 participants, so it's going to be easy to decide who's going to be a secretary, and you will easily find that person. Because the question appeared, so a little announcement. You could see that our photographer Jacob going around the room. All these pictures are will be put on Flickr account. Actually, we're doing that constantly, and we're gonna send you and put the name of this Flickr account here at the registration desk, so you can download the pictures from the conference. We also have a Facebook and Twitter profile and a website. Yes, and of course we're streaming the sessions here, the plenary sessions, on streaming Unigre. That's the website. YouTube channel called Streaming Unigre. Yes, so you can find it on YouTube. Our website is toimre.com.
org. Yeah, you have it on your programs, and there you would find all our social media. So this would, I think that's it for announcements, and thank you very much, and thank you, especially a great thank you to our panelists, Professor Katrina Witold-Devenden, Dr. René McLeff, and Dr. Yannis Panoussis. Thank you very much.